Nous parlons d'une formation commando. Il faut bien comprendre le mot commando et votre promotion, c'est commando 1. Ça fait partie du dépôt communautaire. Il s'agit d'une formation combat spirituel. L'endurance et la constance spirituelle dénommée commando. Et ce que cette formation a fait à notre communauté, ça a permis à la communauté de comprendre Dieu. Nous allons toucher le monde spirituel. Trop de chrétiens vivent des combats inutiles. La Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et je me suis rendu compte que les frères les plus endurants de la communauté, c'est ceux qui ont bien compris cette formation. C'est très important, très très important, ce que nous appelons le dépôt communautaire. Et je sais une chose, c'est que nous allons aller très très loin. Le ciel, c'est le monde spirituel, le monde angélique. Et dans ce monde angélique, il y a eu une révolution diabolique. Parce que la révolution, c'est un changement. Un changement dans la façon de faire. La révolution, c'est combattre l'ordre établi. Et il y a eu à la tête un ange formidable de lumière qu'on appelle Lucifer. Donc, au commencement, Dieu créa d'abord le monde spirituel. Le chrétien qui ne comprend pas ça pourra citer toute la parole, mais jamais, jamais, jamais comprendre. Et pourquoi est-ce que les chrétiens font des histoires entre eux? Non, parce qu'ils ne savent pas l'existence du monde spirituel. Tu ne peux pas comprendre le monde spirituel sans la connaissance de ce verset. Il a créé le ciel, donc c'est le monde spirituel et la terre. J'ai posé certaines questions à Dieu. Vous savez, Dieu peut t'appeler, mais tu as besoin de comprendre des choses. Oh non, pas tout comprendre dans le mystère de Dieu, dans l'appel. J'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu as fait l'homme avant de jeter le démon sur la terre? Oui, j'ai voulu dire à Dieu, s'il était si encombrant chez toi, pourquoi tu jettes cet être maléfique ici? Ah oui, cette formation vise votre endurance et votre constance dans le Seigneur. Tu ne peux jamais remporter une victoire sur le diable si tu es un chrétien de cours élémentaire. C'est pas possible. Ah oui, si ta joie dépend de ce que on te donne des bonbons, des chewing-gums comme on était enfant, hein, tu es adulte. C'est les adultes qui se battent. C'est pas les enfants. Les enfants les protègent. Amen.